Alors, on en parle de cet accord historique avec notre consultant climat, Jean-Louis Caffier, de l'euphorie Jean-Louis, mais oui. finalement, qu'est-ce qu'il y a dedans Mais l'accord historique, c'est vrai. Ça, c'est pour la légende de la photo où on voit tous les chefs d'État et de gouvernement euh, posés ensemble. Euh, 195 pays qui signent un accord euh, de, ce, de cette importance, ça c'est une trentaine de pages, sur un sujet aussi délicat que le climat dans le cadre de la politique globale de l'environnement, ce n'est jamais arrivé. Donc, dans ce sens, c'est historique. Mais au-delà de la légende, il y a l'accord lui-même. Je l'ai lu. J'ai regardé, oui. tous les points qu'on attendait ne figurent pas dans le texte qui a été signé par euh, tous ces pays. Il manque simplement. quoi, justement, alors ben, Il manque euh, les outils qui devaient nous permettre d'atteindre des objectifs déjà fixés, parce que les deux degrés, ce n'est pas hier à Paris qu'on l'a décidé, c'est il y a six ans à Copenhague. Les 100 milliards de dollars aux pays pauvres à partir de 2020 euh, par an, c'est également à Copenhague qu'on a décidé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans l'accord qui a été signé hier Effectivement, la révision, tous les cinq ans, des engagements des pays... Bah, – Heureusement qu'il y a ça, parce qu'on parle de degrés, voire d'un degré 5, mais il faut bien euh, se souvenir que les engagements des pays jusque-là nous placent sur une trajectoire de 3 degrés. Donc effectivement, il faudra réviser, mais le rythme choisi tous les 5 ans, c'est-à-dire à partir de 2025, parce que cet accord s'applique à partir de 2020, et ça va encore être trop tard. – Très vite, la suite c'est quoi Jean-Louis – La suite c'est d'abord des réactions euh, un petit peu plus fouillées, des acteurs de cet accord, on va voir ça aujourd'hui et demain. La réaction des marchés, ça m'étonnerait que les cours des compagnies pétrolières baissent beaucoup lundi matin sur les marchés du monde. Et puis la suite. La France continue de présider cette COP pendant un an. Les outils n'ont pas été possibles cette fois-ci, mais le travail va continuer. Mais on n'a pas beaucoup, beaucoup progressé quand on regarde bien dans les détails. Merci beaucoup, je vais <laughs> vous rester avec nous, on, en... on peut voir que le texte qui a été adopté hier n'est pas vraiment contraignant et surtout, eh bien, euh, euh, encourage les pays en voie de développement finalement à faire des efforts pour limiter leurs émissions, mais en fonction de leur situation nationale, et ça c'est ce que voulait la Chine, en fonction de la croissance économique, en fonction de la situation sociale. Et donc là-dessus, eh c'est un objectif gagné par Pékin.